Coucou mes filles, coucou tout le monde. Coucou. On espère que vous allez bien. Oui, on espère que vous allez bien ce jour de mercredi. Tous très bien. Oui, c'est important. On espère vraiment que vous allez bien. Alors là, aujourd'hui, on a voulu faire les Lego. Donc, vous montrer ce qu'ils font en ce moment chez Auchan. Oui. Et c'est des ouvertures de combien de boosters qu'on aura à faire? 31 boosters. Donc, on va les ouvrir. On va découvrir. C'est ça, on va découvrir ce qu'il y a comme carte à l'intérieur. Mais juste avant, donc déjà, il faut savoir que ça, à Auchan, ils nous les donnent en faisant nos courses, c'est-à-dire par tranche de 4 euros d'achat. Ils nous donnent un booster, donc un comme ça, par 4 euros d'achat. Après, donc là, je le mets sur le côté, on va les ouvrir juste après. Et maintenant, ça, je vais vous le montrer, ce n'est pas donné en caisse. Hein. Ça, non. Je l'ai payé 2,99€, je crois, à peu près, pour mettre les cartes à l'intérieur, tout simplement. Donc, c'est le livre Lego, Créer ton monde. Donc, vous voyez bien, c'est Auchan, collectionne, apprend, joue et crée. Donc, maintenant, je vais vous montrer des petites pages, en fait, de ce petit livre où on peut mettre nos cartes à collectionner du monde des Lego que nous allons ouvrir dans quelques secondes. Donc, regardez, on peut apprendre plein de petites choses. C'est super bien. Donc, je vous montre que vous voyez à quoi il ressemble. Je vais pas tout vous montrer. Hein. Je prends un peu au hasard. C'est super sympa. Elle se met comme ça, la carte. C'est pas à coller. Hein. C'est juste à se mettre dans les petites fissures qu'il y a ici. Je trouve ça vraiment très très cool. Ça change, hein, vous savez, des albums comme ça à coller. Ou alors les cartes aussi, petite idée, on peut les mettre aussi dans des classeurs transparents à pochette, vous savez, où on glisse la carte à l'intérieur. Oui. Donc là, il y a ça, il y a plein, regardez, dans la jungle. C'est super. Là, c'est le toit du monde. Là, je vous montre approximatif parce qu'il y a vraiment beaucoup de pages vues sur l'océan. Waouh, super. Il y a quoi encore? Bienvenue en Antarctique. Regardez, il y a une petite languette là aussi. Ouais, c'est des languettes en fait où on met les cartes à chaque fois. Ici, à quoi? Hollywood, la statue de la liberté. Ah, là, on est où là? Ah, il y a une araignée sur la gauche, regardez. Oh mon Dieu, grandiose. Par contre, les ours blancs, waouh, trop joli. Les loups, magnifiques comme chien. Elle est grosse. Le chien sauvage, mais magnifique. Et là, pareil, un autre ours. Ah, mais par contre, moi, les serpents et les araignées, c'est pas du tout. Et en plus, les araignées, fleuve et vallée. Ça fait des toits d'araignées partout. Et là, on est à la dernière page. Ils nous disent, joue avec tes cartes. Donc, apparemment, on peut jouer au jeu numéro 1, c'est des dominos. C'est sympa. Bien, les et derrière, là, je vous remets comme oui, ça. Donc, il y a ça. Et là, on joue à deux joueurs. Et là, il nous explique que l'autre jeu est avec c'est les cartes ici. Ciseaux. Et c'est super bien. Et là, en il y fait, a un autre combat. Jeu. En fait, c'est vraiment divers et varié. Hein. C'est super sympathique. Alors, en fait, c'est un combat et là, avec la carte plus forte entre copain et copain. Ok, d'accord. C'est et ça. Là, ici, c'est les cartes parce qu'il y en a 144 à collectionner. Donc, on peut les cocher. Vous voyez, elles se cochent dès qu'on en a pour voir lesquelles manquent à la collection. Bon, ben, on a fini pour cette petite démonstration de ce livre. Ouverture. Alors, on commence par ouvrir cette pochette. Il y a 6 cartes à l'intérieur, donc on y va, on ne va pas parler plus longtemps. On a 31 boosters. Ouais, on en a 31 à ouvrir, donc on va voir ce qu'ils contiennent. Alors, ici, on a pied carré. Il me fait penser un peu à l'autre là, de Star Wars. Ouais. Je ne sais pas comment il s'appelle d'ailleurs. Ah, oui. Ici, on a le capitaine pirate, sympathique celui-ci. Les Lego, c'est sympa, hein. Franchement, c'est pour la ça que j'ai pris moi le cahier. Ici, c'est le pêcheur. Là, c'est le décorateur. Ouais, ça, c'est bien, décorateur. Ici, ce qu'il y a de bien avec ça, petit message en passant, c'est qu'au bout de 6 vignettes, bah, regardez, ils le disent, hein, une remise sur les produits Lego signalés comme bah, les Lego, hein, tout simplement. Et ça, c'est sympa. Vous prenez en caisse, vous avez les petits papiers, vous les collez et après vous prenez ce que vous voulez. C'est l'image comme ça. Et c'est réduit en fait. Hein.
Donc c'est super sympa. Donc il faut le dépliant, regardez, voir modalité complète dans le dépliant. Et la dernière, elle est brillante, holographique comme ça, et c'est le temple asiatique. Ah, c'est sympa. C'est des petites vidéos détente, sympathiques, des petites découvertes. Et franchement, ils ont assuré là-dessus au champ parce que je trouve ça vraiment sympa pour ceux qui aiment les Legos. Oui. Il fallait que je vous les montre, hein, n'est-ce pas? Ouais, mes enfants, ils m'ont dit, maman, bah viens, on le fait en vidéo. Donc, j'ai dit, pourquoi pas. Là, on a le skieur. Juste derrière, on a le prospecteur. On a celle-ci. Cowgirl. On a le JJ. On a toujours les cartes. Et la dernière qui est créée. Ah, bah, il y en a deux. Ah, il y en a deux. Ça, on a un gratte-ciel et on a l'île. L'île, elle est jolie. Ouais. J'ai envie de dire que c'est le but. On va les coller où? Ça, il faudra les coller sur le dépliant pour avoir en fait des Lego comme vous aimez les faire par la suite. D'accord. Tu comprends, chérie? D'accord. Donc, je vais en mettre ici d'abord. Alors là, cette fois-ci, on a ça, c'est pas joli du tout, hein, les chauves-souris, etc. Vampire, moi, j'aime pas ce genre de carte. L'alpiniste, je vais essayer d'être assez. Oh, elle est belle celle-ci. Là, c'est la princesse de conte de fées. Ah, ça, ça nous plaît, hein? Oui. Alors, ça, on les enlève. Et les deux autres. Donc là, on a une maison des esprits et château de sable. Nous avons maintenant l'explorateur. Dora l'exploratrice. C'est ça, Dora. L'artiste. Un artiste peintre. Oh là là, j'aime pas ça, moi. Ici, c'est Gargouille. J'aime pas du tout. Gargouille, peu importe. J'ai même pas réussi à le lire tellement il m'a fait mal aux yeux. Ici, c'est ça. Là, ah, bah, on est. Là, c'est une montgolfière. Non, un coup, c'est retourné, un coup, non. Ah, oh, c'est un petit nénuphar. On dirait un peu un papillon, cette carte. Tu trouves? La joueuse de tennis. Ici, on a lui. Parfois. La fille abeille. Sympa. La fille abeille. Méduse. Moi, pas très fan. Bon, ça, hein, on a compris. Et les deux en même temps. Oh, oh c'est mignon. Un singe. Et un arbre. Oh, je préfère le singe, moi. Oui. On va commencer par cela. D'accord, ok, c'est pas grave. Donc, on a un phare. On a un élan. Et les autres, il n'y en a qu'un. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, c'est pas grave. On a eu un booster là, auquel il manque des cartes, hein, mais c'est pas grave. Et ici, c'est le skieur qui va avec l'autre. On en a eu un tout à l'heure, comme ça, je pense, en fille. Ah, tu veux l'ouvrir à maman? Oui, comme ça, ça part. Oh, regardez, femme licorne. Ah, c'est trop joli. Ça, c'est bien. Le garçon déguisé en cochon. Oh. Ou l'homme loup. Ouh là là, tu fais peur, toi. Hein. Le créateur, pardon, la créature des ténèbres. On a ça. Et maintenant, derrière, on a encore un petit singe. Le mécanicien. On a ça. Et je pense qu'il va encore... Bah, c'est incroyable, il doit en avoir 6. T'es sûr que tu l'as bien? Non, c'est pas grave. Donc, château de sabre, on l'a déjà eu, mais maintenant... Oh, bien, bus impérial. J'aime bien ces bus. Vous savez, de Londres, là, là. Oh là là, ils sont cool. Nous avons maintenant... Ça, on l'a eu. Ah, oh, ça me fait penser à Ariel, le roi des océans. Ah, oui. Au papa de Ariel. J'ai grave le papa. Oh, c'est le clown triste. Ben non, faut pas être triste. T'as un clown, pourquoi t'es triste? L'infirmière, oh. Ça, c'est pas gay non plus. Ouais. Ça, hop, on met de côté. Et on retourne en même temps, c'est parti. Ah, on les a eu, mon bus et le château de sable. Mon bus. Oui, parce que je l'aime bien. Alors, moi, je dis mon bus. Hein. Je me permets de dire ça comme ça. Ici, on a quoi encore? Gangster. Je fais pas peur. Hein. Le rappeur. Ok, d'accord. Je suis partie, moi. Ah, le squelette. L'homme squelette. Ah, c'est Malouine. C'est sympa. Soudeur. Ici, c'est motonnet. Ok, ma fille, tu veux que je prenne cela? Donc, si tu mets d'un à l'envers aussi. Ah, elle est jolie, celle-ci. Donc là, c'est une petite serveuse. Très sympathique, la carte. Chevalier. Oh, un autre clown. On retourne en même temps. Et nous avons le temple asiatique qu'on a eu tout à l'heure. Et l'arbre. Et moi, je préfère celui-ci. Oui, comme chinois. C'est ça, le temple asiatique, c'est ça? Après, on a ça. On a le hippie.
Elle est bonne celle-là. Ah, celle-ci, on vient de la voir. Ouais, on a celle-ci, on a celle-là. On retourne. On a une navette spatiale. Ah, bah, ah bien, on a trois brillantes. Donc, bateau à moteur et navire ancien. Bon, ici, maintenant, le mime, comme dans Réponse. Après, l'empereur romain. Dans cette booster, oui. Depuis tout à l'heure, on a ça. Oui, c'est pour avoir les Lego, maman, elle a expliqué, chérie. Mais je n'ai pas trop compris. Là, c'est la diva disco. Oh, il y a une mariée. Oui. Trop contente de la faire, cette vidéo. Là, on a véhicule tout terrain et maintenant, on finit par un hôtel. Oh, chouette. Femme araignée, j'aime pas du tout. L'homme déguisé en poulet, Hugo. Le dormeur. C'est nous ça, on aime dormir. La prof de fitness, ça, ça fait du bien, c'est bien pour la santé. Après, il faut s'y tenir, ça c'est autre chose. Le nain guerrier. Et la dernière qui est un robot. Joli robot. Oh, elle est bien celle-ci, la fashion victime. Mmh. Elle est marrante celle-ci. Je crois pas que tu l'as montré celle-ci. Si, si, je l'ai montré. Si, si. J'ai dit même que j'étais pas très fan, chérie. Oui, ça, je suis pas fan. Le joueur de paintball. Skateuse. Ah, le skate. Je m'en rappellerai tout le temps quand j'étais petite avec mes cousins, cousines. Quand on descendait les pentes avec le skate et qu'on se mettait à 2-3 dessus. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'on riait, la bonne époque. Bref, c'était une petite anecdote en passant, un petit délire de Kika, comme d'hab. Là, c'est quoi le garçon banane? Pourquoi pas? L'haltérophile. Ah, là, dans la première phase, garçon banane. On enlève ça. Et là, on a l'arbre. Ici, on a la femme tigre. C'est cool, hein? Feuille. Le joueur de cornemuse. Pierre, feuille, feuille. Encore. Voilà, vous voyez, pierre, feuille, ciseaux, en fait. Hein. C'est soit collectionné, soit vous pourrez jouer à pierre, feuille, ciseaux. Et je pense que vous l'avez bien saisi. Nous, on va jouer avec l'agent de circulation. Oui, avec les doubles. Ok, d'accord, si vous voulez. Un pilote de course. Sympathique, cette carte. Oh, c'est trop bien. On a un panda. Oh, je kiffe les pandas. Château de Savon, t'as déjà vu. On va plus regarder le panda. Je suis dingue des pandas. Mais qu'est-ce que c'est trop mignon. Oh, trop beau un panda. Waouh. C'est trop beau. L'homme lézard. Oh, celle-ci, elle est trop mignonne. Bah, regarde, elle est là. Oui, en double, chérie. C'est ce qu'elle a dit. T'as ça comme ça, vous pourrez jouer avec. Donc, il y a celle-ci, on l'a vue. Idem pour celle-là. Mais ici, c'est quoi? L'agent de circulation. Le singe de tout à l'heure et l'ours. Oui, et comme il est mignon. Ah, il est bien fait. Mais il ressemble pas trop à l'ours. Bah, si, ça se voit, c'est un petit ours. Il est sympa, regarde. Après, on a ça. À chaque fois, ils nous disent quelque chose en dessous. Hein. Moi, ah, je ne oui, le lis pas parce que sinon, ça va être très très long. Là, on a la reine. Là, on a quelques. Ouh là là, le vengeur extraterrestre. Oh, la starlette d'Hollywood. Avec son... sa robe et son Oscar. Ouais. Un phare. Non, c'est un phare. Ah oui. Et là, nous avons... ah, c'est cool, on les a pas eu. Un dragon. On les a pas eu, c'est cool. Bah oui, c'est bien. Une poule. C'est bien. Après, il nous en reste encore pas mal à ouvrir. Hein. Alors, on a celui-ci, on va essayer de se dépêcher un petit peu. On a ça. Hop. Hop, on passe là. Je la fais tomber. On a le dinosaure et on a la statue de la liberté. Après, maintenant. Tiens, mon cœur. Une infirmière, on l'avait déjà. Oh, c'est mignon. Oui. Lui, il est bien, là, le capitaine de bateau. Ah, bateau. On a ça, le serveur. Oh, c'est trop sympa, Cléopâtre. Et les dernières qui sont... le élan et le phare qu'on a déjà vu. Après, la guerrière viking, on a celui-là. On a la fille en kimono. Hum, sympa. Et les autres deux derrière, on passe. Attends, mon amour, il est là, mon cœur, il est là. Ah, il est tombé. Un ours polaire. Ah, toujours voilà aussi beau, polaire. Je trouve ça très très beau aussi. Et après, la maison des esprits. Polaire. Moi, je préfère l'ours polaire. Oui, moi aussi, hein. L'artiste, on a ça, je déteste les chauves-souris aussi. Oh, oui. On vous a dit tout à l'heure,
Et là, on a moulin à vent et un joli perroquet. Il est trop joli, le perroquet. Ça, c'est bon, je peux l'apprendre. Nature, oui. Moi, je vous vois maintenant. Alors, on l'a vu. On l'a vu. On l'a vu. On l'a vu. À l'envers. Et on connaît vu. Aussi la sirène. Trop bien. Ouais, elle est grave, je l'ai vue, elle est grave. Ah, joli cas. Sirène, Ariel. Ariel, la petite et sirène. Et ça, on connaît. Et là, c'est quoi ça? Ah, c'est un sous-marin. On compare à l'autre. Ok, on a ça. Là, on a la co-girl, le DJ, l'infirmière. J'aime bien le DJ. Capitaine bateau. Et les deux dernières. Alors, lui, on le connaît. Et là, on a un koala que j'aime aussi. Ah, c'est ma préférée. Ah, j'aime bien quand il y a des animaux comme ça que j'aime bien. Ça fait trop, trop plaisir. Ouais. Et gentil. Et le panda. Qu'est-ce que j'en suis dingue du panda. Oh là 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 là. Nous avons maintenant. C'est trop beau. Hop. Hop. J'ai ma fille à côté qui ramasse. Ah, oui. Un plongeur. Lui. Et la statue de la liberté qu'on a déjà vue. Oui. Ah, oh, ça c'est bien ça. Un voilà une jolie petite carte. Le bonhomme en pain d'épices. Comme le petit dessin animé. Le nain de jardin. Le nettoyeur. Oh, la sirène qu'on a en double. Elle est très jolie. Et les autres cartes, donc là, on a le nénuphar qu'on a vu tout à l'heure. Et ici, on a un bouquetin. Et nous avons le roi des océans. Oh, on a celui de tout à l'heure qui faisait... qui avait des larmes qui coulaient. Ouais. Ceux-là, on les connaît. Et on va voir ceux-là. Koala. Et là, le robot. Ah, on a la serveuse. Deux autocollants. On a ça. Ils sont trompés, peut-être. On a, oh, pardon, sorcière loufoque. Ah, là, c'est sympa. Donc là, on a charmeur de serpent. Bon, moi, serpent, je suis pas fan. Mais lui, il fait penser à Aladdin, donc j'aime bien. Et on y va pour la dernière, qui est celle-ci. Ça, tout ça comme truc. Ah, elle est bien, celle-là, la femme robot. Merci. Elle est mignonne, j'aime bien, moi. Ah. Le boucher. Il donne envie de manger un bon beefsteak. Oui. La mangeuse. Après, bon, là, il y a la voyante. Boxeur. Et on tourne, nous avons... ce qu'on a eu tout à l'heure, donc le bateau à moteur et le dragon. Des doubles. Et ça après, il nous reste combien? C'est le dernier. C'est le dernier. Ouf. Alors, le dernier, nous avons quoi? Monsieur Loyal. Ah, on l'a pas eu celle-ci, je pense pas. L'homme lézard. Non, oh, t'es gentil, trésor. Non. Faut pas que ça fasse de l'ombre aussi. Pied carré. Comment ils l'ont appelé, lui, le pauvre? Le capitaine pirate. Ça fait beaucoup d'éclairage. Et les deux derniers qu'on va retourner tout doucement. Donc on a lui. Le perroquet, on l'a déjà. Perroquet, on connaît. Et le dernier. Ça, c'est la motoneige. Donc on finit avec cette carte-ci. Et par contre, tu voulais quoi, mon bébé? Je voulais qu'on montre aussi qu'on a ouvert, à part une vidéo de 3 boosters. Les cartes qu'on a eues aussi, mais il y a aussi des doubles hein, quand même. Ah, d'accord, tu veux les montrer? Oui. Tu veux faire comment? Vas-y, viens. Bah, vas-y, si tu veux les montrer, viens. Alors. En fait, elles ont ouvert déjà 2-3 boosters à peu près, sans qu'on les fasse ensemble. Ouais. Donc, ma fille veut vous les montrer. Donc, on a la fée. Ça, c'est qui ça? L'homme d'affaires. Ouais. C'est bien, petit cœur. L'homme requin. Oh, on l'avait pas ça. Oui, je pense pas. Le joueur de saxophone, ok. Charpentier. La guerrière viking, on l'a eu tout à l'heure. Ouais, la feuille. Et là, c'est le plongeur, on l'a eu aussi, il y a le requin derrière. On a eu qui? Le pilote de course aussi, on l'a eu. Ah oui. L'alpiniste. Non, ça me dit rien ça par contre. Après, ça non, j'ai pas aimé. Ah, la chauve-souris. Au secours, enlève-la. Après, le grand-père, il lit son journal avec son petit café. Oui. Ici, c'est quoi? C'est le monstre plante. D'accord. Lutin de Noël, comme c'est sympa. Avec il est tout mignon. Oui, le cadeau, le petit nounours, le lutin, quoi. Ok. Et le dernier, le petit dinosaure. Ah, l'avant-dernier, même pas. C'est même pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Ok. Ah non, même kangourou. Pas, pardon. Kangourou. Autant pour moi, désolée, statue de la liberté. Mon golfière.
Et là, c'est fini. Et voilà. Regardez, j'ai ramené bon. Tout ça. Waouh, tout ça. Ah, bah dis donc, maintenant, il va falloir que tu les mettes. Hein. Il va falloir voir les doubles, etc. Et les mettre après dans le cahier. Ça va être un autre truc, ça, c'est sûr. Bon, bah, on espère que cette petite vidéo découverte des Legos qui font chez Auchan vous aura plu. Et c'est trop bien ça. Oui, ça, c'est pour avoir les réductions, etc. avec le petit papier. Ouais. Ah, regardez comment elle est jolie. Donc, on vous dit à très vite pour une autre vidéo. Ah oui, si ça va tout ça. Merci. D'accord, mon cœur. Alors, d'accord. Regardez. En fait, les cartes sont ici. Et vous allez vous amuser à regarder, à les mettre dans l'album, etc. Et là, du coup, bah, on se laisse avec le lutin de Noël en espérant encore une fois que ça vous ait plu. N'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé. Bref, on vous fait de très, très, très gros bisous. Surtout, portez-vous bien. À bientôt. Bye bye tout le monde. Bisous, prenez soin de vous. Bye bye.